Je vais commencer ces mots en vous disant merci. Merci pour ce que vous avez fait tout le long de cette compétition. Ce que vous avez fait en Tanzanie, pour ce que vous avez fait en Égypte, c'était pas facile. Donc, je sais que beaucoup d'entre nous sont tristes aujourd'hui parce que c'est un match qui était à notre portée. Vous aviez fait déjà le plus difficile en Tanzanie. Vous aviez fait le plus difficile lors des 45 premières minutes de la première mi-temps en marquant un but par l'intermédiaire de Warsama. Alors, ce soir, effectivement, on a tous eu du mal à se remettre de ce match. Pour faire court et ne pas revenir sur certains détails, on a loupé la qualification à 5 minutes près. Il y a eu beaucoup de petits problèmes, mais on ne va pas les énoncer ce soir, c'est pas grave. On va dire que Allah avait un autre plan pour nous. Donc le plan, c'est de pouvoir continuer et revenir encore plus fort la saison prochaine. Pour être plus fort, il faut effectivement gagner le championnat, reprendre notre place de leader. Vous le savez mieux que moi, on a été troisième du championnat cette année. Ça prouve quoi? Ça prouve que le championnat djiboutien s'est endurci. Et c'est très bien pour le football djiboutien.